l'ensemble France. Et pour clôturer ce gala de France CEI, eh bien, c'est par l'équipe de France de gymnastique rythmique et sportive que nous allons quitter le stade Pierre de Coubertin avec une évolution de cette équipe de France 5e mondiale ensemble au cerceau. Exceptionnel entre ces cinq jeunes filles. Qui ont répété des dizaines de fois, sinon des centaines de fois ce mouvement au Centre National de Calais pour aboutir à une perfection gestuelle. Oui, l'équipe de France est à la hauteur de la Bulgarie et de la Russie lorsqu'on regarde cette réussite. Parfait, parfait. Claude, Nadia Mimoun, Frédéric Léon, Charlotte Cambolive, qualifiée pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. La gymnastique, l'acrosport, le trampoline, les meilleurs gymnastes du monde vous donnent rendez-vous lors des prochains galas qui vont se dérouler jusqu'au 7 février à travers la France, en passant par Boulogne-sur-Mer, Saint-Quentin, Nancy, Dijon, Nevers, Le Mans, Nanterre, Valenciennes, Quimper, Auch, Le Canet et la Seine-sur-Mer pour terminer ce formidable parcours des équipes d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie, de l'Ouzbékistan et surtout des gymnastes de l'équipe de France qui ont bien progressé à l'image de cette formidable équipe de gymnastique rythmique et sportive. Et bien c'est sur ces très très belles images de Jean-Maurice Hogg et des moyens techniques de France Picardie que nous allons quitter Coubertin avec des commentaires de Michel Boutard et de Pierre Fula. On vous donne rendez-vous le 3 mars prochain au stade du Palais Omnisport de Bercy pour les internationaux de France de Paris. Ce sera d'une qualité exceptionnelle.